Bonjour les amis, ici Hardc. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir la bande-annonce Les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. C'est parti, prêt, go! Si vous tendez l'oreille, vous entendrez le passé murmurer. C'est mon frère. Le monde que nous connaissons s'effondre. Grindelwald le décime avec la haine. Si nous voulons le vaincre, vous devez me faire confiance. C'est l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux de ce siècle. Un magizoologiste, son indispensable assistante, un sorcier descendant d'une famille ancienne, une enseignante et un moldu. Dumbledore m'a donné une chose pour moi, Jacob. Non, tu te moques de moi là. Toutes les chances sont de notre côté. En route pour sauver le monde. Les apparences sont trompeuses. Pivote, mais délicatement. Je pivote comme toi. Notre guerre contre les moldus commence aujourd'hui. C'est quoi cet endroit? La salle qu'on a demandée. Exact, 3 points pour Poufsouffle. Est-ce que je peux? Trop dangereux. C'est très puissant, si ça tombe dans de mauvaises mains. Panique garantie. Où est-ce que vous l'avez eu? Je l'ai eu pour Noël. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a dans cette bande-annonce. Donc déjà, vous voyez le château de Poudlard au fond, et apparemment, il y a le Vif d'Or aussi. Et je me demande bien si Albus Dumbledore aurait pas caché ses secrets dans ce fameux Vif d'Or. Super, nous allons revoir Préola avec la tête de sanglier, et il y aura son frère Albelford, donc le frère de Albus Dumbledore. Après, nous verrons Albus Dumbledore qui marchera dans une espèce de inconnue. Après, nous voyons Grindelwald, mais moi personnellement, le nouveau Grindelwald, je le trouve moins convaincant que le précédent. Il fait moins dangereux, moins méchant, je trouve, en quelque sorte. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça fait un Grindelwald convaincant ou pas, ce nouvel acteur. Peut-être dans les films il me conviendra plus, ce Grindelwald là, mais là pour l'instant, non. Après, ensuite, on voit une espèce de tramway. Je me demande bien quel rapport ça a. Les amis, nous avons vu cette espèce de château dans cette bande-annonce et je me demande si c'est pas une autre école de sorciers. Donc là, nous voyons un train qui est qu'un autre train que celui de Poudlard. Et apparemment, nous renvoyons toute l'équipe qui va composer pour vaincre Grindelwald. Ce qui est bizarre, on ne voit pas Tina. C'est complètement hallucinant. Tant elle devrait faire partie de cette équipe, mais on la voit pas du tout. C'est bizarre, bizarre. À mon avis, c'est peut-être parce qu'elle veut pas se mettre en conflit avec sa sœur qui a rejoint l'autre partie. Ou je pense que l'autre partie, donc le parti de Grindelwald, aurait enlevé Tina pour que Queenie fasse tout ce qu'il veut. Pour lui mettre la pression, quoi, en gros, quoi. Alors, sur ce plan-là, nous voyons Queenie qui a vraiment changé et Kama juste derrière. Sur cette image, vous voyez Croyance qui va se battre contre Dumbledore. Donc, Grindelwald a bien manipulé Croyance pour qu'il détruise, bien entendu, Dumbledore. Donc, voilà, les amis, là, c'est la salle sur demande. Mais apparemment, ils l'ont appelée la salle demandée. Oh oh, nous revoilà à Poudlard. Et nous voyons Jacob avec une baguette, c'est surprenant. En sachant que c'est un moldu. Et en plus, il voit Poudlard, c'est étonnant. Donc on le voit en compagnie d'élèves de Serdaigle et Gryffondor.
Et voilà, notre vidéo touche à sa fin. Sur ce, les amis, on va se dire à bientôt. C'était Arc de Cœur. Si t'as aimé ma vidéo, mets un like. Ou tu peux bien t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne ou tu prendras un coup de baguette. Nox !